Le projet propose de rallier la gare Nord à Allonne par un bus en site propre, c'est-à-dire par une voie uniquement dédiée aux bus, comme c'est déjà le cas avenue Bollée au Mans. Une installation qui devrait permettre une amélioration de la qualité de service pour la CETRAM. Meilleure régularité, c'est ce qu'attendent les usagers. Le bus n'est pas englué dans la circulation. Et priorité au feu, c'est-à-dire que le bus déclenchera le système pour que le feu s'ouvre pour lui et soit fermé pour les automobiles ou l'autre circulation. 4 des 6,8 km qui séparent Le Mans d'Allonne pourraient donc être réalisés en site propre pour 2014. Un projet qui reprend une partie de l'actuelle ligne 16, une ligne particulièrement fréquentée, plus de 3300 voyages par jour entre les deux villes. Ce matin, l'État s'est donc engagé à financer le projet à hauteur de 3 millions d'euros. C'est tout de même une petite déception. Bien sûr, les 3 millions ne sont pas suffisants. Ça fait 11% du budget. On espérait 4,8 millions. Il va encore en manquer et la décision n'est pas encore prise de faire ou de ne pas faire. Pour être lancé, le projet doit en effet être voté en conseil communautaire en même temps que la deuxième ligne de tram en juin prochain.